Et hey, yop les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Thibaut Avril. Aujourd'hui on va faire des petits matchs recrutement. On va faire un petit peu de multi-attaque donc, sur FIFA 19 mobile. Donc mon équipe elle a un petit peu changé. J'ai une récompense. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai une récompense d'un million, je sais pas pourquoi. Du coup, avec cet argent... Excusez-moi, c'est ma montre. Du coup, avec cet argent, je me suis acheté Bernardo Silva. Et je me suis acheté Rebic. Je crois que ça se dit comme ça. Rebic ou Rebic, je sais pas. Un truc comme ça, quoi. Donc, j'ai acheté ces deux joueurs. Donc, des stats pas mal. Au niveau du prix, c'est rentable de ouf. Hein, 88 de vitesse, 96 d'agilité, bon la défense s'en fout physique, voilà. 80 de tir, 89 en passe. Tu vois, ça c'est un bon MOC ça. C'est un bon MOC ça, 120 de dribble, c'est un très bon MOC ça. Merde. J'ai quitté sans faire spray. Ça aussi c'est une très belle carte. C'est une très belle ouais, carte. 98 de vitesse, donc on peut confondre avec Mbappé, non je déconne. 93 en tir, donc ce qui est superbe. 80 en passe, c'est pas mal. 80 de physique, c'est pas mal. 90 de vitesse, c'est super bien. Dribble, 98. Oh, c'est pas mal. Oh, c'était super bon stat en vrai. Bon après, bah Babel. Il y a Robin, ça a pas changé. Enfin, Robin, j'échange parfois avec Zarbès. Zarbès, il est bon. Ouais. Il est bon de ouf, Zarbès. Problème, c'est que. Il a pas trop de. De je sais pas quoi en fait. Mais en fait, j'aime bien Ayane Robin. Pour tout vous dire, en fait, j'aime bien Robin. Du coup, Zarbès, il a jarté. Encore, Zardé, si il jouerait dans un bon club, ok, mais quand tu joues à Columbus en MLS, il n'y a pas de club bon. En fait, tu vas me dire si. Moi, je voudrais bien signer là-bas. What the fuck? C'est quoi ça? Ah oui. 1000. Ah oui, nickel. Ah bah nickel, là, ça m'a remis trop bien en gemme, là, en vrai. Ou en rubis, comme vous voulez. Je pense que c'est plus des rubis, parce que rubis, c'est rouge, et gemme, c'est. Bah les jeunes ça peut être vert et... Ouais bon on s'emballe. Alors, donc ça fait plein de neufs que je joue en recrutement. Je pense qu'il y a moyen que je m'achète un joueur. Avec les points. J'ai peut-être assez de points pour m'acheter un bon joueur en vrai. Bon après on va commencer parce que... On va pas attendre 3 points. Bon allez là. Putain, Lako. Toujours présent. Putain, bah enfin, peut-être temps. La beauté, la Ligue 1, gratuit. Oh putain, on va encore attendre 3 plombes. Je râle. Faut vraiment qu'on change de box. C'est horrible. Ah, une batterie 50, ouais, c'est bon. Allez. 913. Wouah! En fait, j'ai grave des points de ouf. Non, mais... ça va, on se fout pas de ma gueule à part ça. Ça va. Deux. Non, bon, c'est vraiment mec. Bah, quoi que non, je m'en bats les couilles au pire. Je fais ça. Voilà. Nickel. Bon, bah, du coup, on va se faire un petit pack recrutement. Et puis après, on va faire des matchs. C'est pas une vidéo. C'est pas un pack opening à la base. Ah, Yann Robin, mon pote. Eh oui, mon gars. Regarde, enroulé, ça passe, mon pote. Ouais, on va peut-être réussir le défi, là, quand même. Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive, là? Ok, bon, on va pas faire le con. C'est une blague, là. J'ai loupé cette merde. Oh, putain, la honte. Putain, je suis vraiment con, quoi. Putain, ça veut jouer au foufou, et puis... Ouais.
Je vais te refaire. Vous avez rien vu, on est bien d'accord. Vous avez rien vu. Iche! Voilà, garçon. Putain, quelle honte. J'ai réussi à louper ce défi pourri. C'est pas possible. Je suis vraiment nul. Là, du coup, je peux. Allez, un petit pack. Petit pack recrutement. Là. Alors, ouais, ça, c'est de la merde. Et après, on a de la bonne merde bien fraîche. En fait, j'aurais peut-être pas dû payer pour ces joueurs. En fait, c'est un peu de la merde. Mais bon, ça se revend bien. Enfin, je crois. Ah, ouais, non. Par contre, ils se revendent. S'ils se revendent pas, je pète un cap. Hein. La lune de la merde. Ils se revendent. Je vois recrutement, ouais, c'est moi, je suis vraiment pas écrit. J'ai eu peur, frère. Allez, c'est parti. L'Atlético. Ouais, d'ailleurs, Griezmann est parti au Barça. Ça fait 3-4 jours, là, je crois, il est au Barça. Numéro 17, putain, le pauvre. J'aurais pas aimé être le numéro 17. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis numéro 7. Ah bah non, mais Philippe Coutinho, je crois il est. C'est 7, Coutinho. Du coup, ils peuvent pas. Je crois que c'est le 7. Ouais, bah tu vas me dire, ils étaient peut-être. Oh, calme-toi, frérot. Oh. Mais d'où il passe tout le monde comme ça, lui. Il est fou. Bon, on va essayer de se concentrer pour pas perdre le match, quand même. Ça serait un peu con. Allez, profondeur pour Robben. Oh non, dommage. Faute. Ah, j'ai faute. J'ai pas fait de faute. Non, je ne prends pas de faute. Grisou. Hop, allez, ça dégage. Lui, ça le partout. Profondeur. Oui, on l'a vu, mon frère. Enroulé. Oui. Un babé, quoi. Ça. Ah, j'ai vu ça aussi sur la vidéo Jojo Bernard et tout là. Je sais pas si vous connaissez. Mais j'ai vu sur. Quand il fait des packs FIFA et tout. À un moment il a dit. Donc il a packé Lucado. Et il a dit. Quand tes parents tu réfléchis. Enfin là je dis ce qu'il a dit. Hein. Quand tes parents tu réfléchis quoi. Quand son nom de famille c'est Do, tu vas pas l'appeler Lucas. Tu sais, ça fait. Enfin, vous savez, ça fait le cadeau de Noël, le cadeau d'anniversaire. Putain. Non, là, là, je suis vraiment. Je rigole de rien. Ouf! On bat Robben. Bah, ça va, tranquille, tu mets une petite lucarne enroulée comme ça, toi. Sans contrôle, en plus, c'est un peu de life. En vrai, c'est trop facile de marquer des buts sur FIFA Mobile parce que t'as l'aide au tir, hein, c'est abusé l'aide au tir. T'as juste à tirer comme un con comme ça et puis limite tu vas marquer. Jeanne Black. Saoul. Allez, Bernard de Silva. Putain, il récupère tout. Au calme. Allez. Allez, c'est parti, mon frère. Hop, allez, ça dégage. Enroulé. Tu marques. Oh non! Non, je suis vraiment maudit. Ouf! Ou Saint-Maximine, ou Saint-Maximin, je sais pas. Alors. Ah bah c'est. Ah non, c'est pas fini. Pourquoi c'était fini? L'Atlético. Hop, allez, ça dégage. Non. Je vais faire d'autres sens, ça va être. J'ai fait lâcher. Le baby, il faudrait se perdre, là. Pour Babel, non, pour Babel. Pour Babel, vous avez quoi contre lui là? Oh, c'est pas parce que j'ai un peu de merde que là. Hein. Ok, profondeur. Saint-Maximine, tu tires, tu marques, mon pote. Bah oui. Bah oui, mon garçon. Tiens, on va voir les buts. Enfin, ce but. Deux. Bam. Allez, salut, je crois bien. Ah bah le calme, y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Hop, c'est le gars.
Profondeur. Ouf! Ouba! Robin, allez! Rebic! Oh là là là, ce jeu! Mais quel joueur! Quel homme! Boum! Non, mais comme je disais, c'est trop facile pour les tirs. En fait, tu la mets à côté et en fait, ça te la met dedans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est trop facile de marquer sur FIFA Mobile. Franchement. Pouf! Bernardo Silva, mon pote. Y'a quoi? Pente coquée, là, il va se calmer. La frappe, lucarne. Avance, avance. On laisse 3 points. Allez, on fonce dessus, on fonce dessus. C'est un peu bizarre à dire, mais allez, on rentre dedans. On rentre dedans, Froya. Non, 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 non. Et merde. Ah non, c'est bon. Oh là là, cette défense là. Oh là là. Tout était calculé. Hop, Saint-Maximin. Oupelé, on va l'appeler Saint-Maximin. Luis Alberto, mon pote. Et oui. Y'a quoi maintenant? Putain, je vais le tacler, mon pote. Oh, mais alors lui. Pouf! Oh là là, David Luiz. Hop, non, 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 non. Ah, c'est bon. 6-0, bah je crois que j'ai gagné. Hein. Putain, j'aimerais tellement avoir un Mbappé dans mon équipe. Là. Putain. Mais après, contre le. Après Barça Real, on se fait les deux. Je sais pas si on. Moi je m'arrête à 20 minutes. La vidéo, souvent, ça dure 20 minutes, mes vidéos. Bon là, ça faisait 2 mois, je crois, que j'avais pas fait de vidéo. J'ai arrêté Creative Destruction parce que j'ai arrêté tout simplement. J'ai arrêté. Je vais faire maintenant largement plus souvent du FIFA. Oh oui. Je suis content parce que c'est contre le Barcelone, n'importe quoi. Contre le Barça, enfin oui, contre le Barcelone, mais. Par contre, le. Bon, vous avez compris. Voilà. Bref. Busquet. Oui, alors, bah, oui. En vrai, Busquet, il est fort, mais en fait, son seul problème, c'est qu'il est pas rapide du tout. C'est ça, son problème. Il est lent, c'est. Même mon frère, il va plus vite, quoi. C'est un truc de ouf, comment il est lent. Sur FIFA, hein. Après, je sais pas si dans la vraie vie, il va plus vite, mais. Enfin, j'espère pour lui, quand même. C'est même un enfant de 2 ans, je crois, il irait plus vite. Allez, Babel. Tu vas centrer pour Rebic, là. Il y a Rebic qui va marquer un ancien Alberto. Mais il marque pas. David Luiz, il fait quoi, hein? T'es pas milieu de terrain, frérot. T'es défenseur. Ouais, mais maintenant, t'arrives plus à rattraper parce que c'est Messi. Bah oui, frère. Luiz Alberto, attention. Hop, allez. Tout était... Alba, il va rapide. Ah, on l'a vu. Non, non, bah ça va, tranquille, ça me met des tout droits. Mais en fait, Sergio Busquets, son plus gros point fort, c'est qu'il récupère toutes les balles, quoi. C'est vraiment un milieu récupérateur. Tout le monde aimerait avoir dans l'équipe, mais son seul problème, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la vitesse. Parce que dans FIFA, ce qui marche, c'est la vitesse, quoi. Leroy Sané, regardez Leroy Sané, Aubameyang, t'as qui? T'as Mbappé, t'as plein de joueurs qui sont rapides, mais c'est super efficace, quoi. Je veux dire, quand t'es rapide, souvent c'est efficace dans tout, dans tous les sports, le handball, le basket, le tout en fait. Bon, Philippe Coutinho, ça met pas comme une. Ouais, de toute façon, je suis presque sûr et certain à 95% qu'il est son numéro 7. Bon, bah, un petit 2-0 contre le Barça. Ah merde, c'est pas fini.
Ouais, mais je pense pas que ça a rattrapé parce qu'avec ma défense de fou. Non, je déconne. En vrai, j'ai des bons joueurs en défense, mais je sais pas défendre donc ça peut peut-être rattraper. Mais je pense pas parce que je vais remettre un but tout de suite. D'ailleurs, putain, ça aurait été magnifique. J'aurais prédit et tout. Regardez, je me jette comme une merde. Je sais pas défendre, mais c'est un truc de ouf. Aïe. Non. Voilà. Encore ça, j'ai bousqué ta récupération. Si vous remarquez bien, il n'y a que lui hein, qui fait récupération presque. Arthur, il sait pas. Rakitic, un peu, pas beaucoup. On va faire tout avec Alberto. Alberto, je l'adore. Bon, on peut faire un con, on va jouer ici. Là, on frappe. Babel, t'es libre. Voilà, ça c'est le buteur. Voilà, ça c'est le buteur, mon pote. Ah putain, ça me gratte l'œil. Non, non, mais attendez, ça me grattait l'œil là. Ah bah non, en fait, on n'aura pas le temps de refaire un match parce que 16e. Ça fait. J'ai 16 minutes. Alors. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Merde, j'ai pas voulu faire ça. Bon bah tant pis, hein, je le récupère quand même. Hop, roulette mon pote. Et ça passe pas. Mais Suarez, il faut le mettre en défense en fait, il est même pas parti. Oh, merde, non, 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 non. Comme j'adore le Barcelone, comme j'adore le Barça, je vais laisser mettre un but au Barça. J'adore Barcelone. Enfin le Barça, putain, je vais y arriver là. Non mais prenez la balle. Putain, j'arrive pas à leur faire prendre la balle, c'est horrible. Mais passe là, 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 là. Mais non, mais putain. Oh. Putain, mais même quand t'as envie de lui passer, ça veut pas, quoi. Putain. Fin du match. Fin du match. Fin du match. J'espère que le son, ça va. Parce que j'ai tendance à mettre fort le son, mais dans la vidéo, après, on m'entend pas, quoi. Putain, ça me fait chier quand il reste un match. Ah, c'est tentant. Hein. Ah, prochaine vidéo. Ah, si je l'aurais, je l'ai pas fait avant. Il y a plein de choses, petit quête défi. Là. Bon bah ça ouais mais non. On va faire des petits matchs qui attaquent pour finir cette vidéo en beauté. Je prends celle où elle est plus collectif ou je prends celle où elle est plus générale. Je prends celle où est plus générale parce que je peux gagner quand même. Non mais merde, j'ai pas été dans le bon truc vite parce que la vidéo elle se passe. Hein. Alors, non, mais c'est quoi cette équipe? Mais mec, mais putain, j'ai vraiment pas de chat. Hein. Putain, 94 général, 120 de collectif. Quoi. Non, mais je crois qu'en fait, je suis trop. On tire, c'est la technique. En fait, je crois que je suis trop dans le championnat, du coup, ça me met comme des gros joueurs de fou. Mais oui, mec, que je passe quoi? Oh putain, il m'a déjà mis 3-0. Ouais, je suis obligé de tenter les frappes de loin, mec. Je passe comment? Putain, bah, je me tape toutes les contre-attaques. Allez, tiens. Allez, vite, vite, vite. J'arriverai pas à laisser tomber, les gars. Je vais laisser tomber, j'arriverai pas. C'est mort. Tiens, non, mais non, enfin, c'est pas possible. Mais y'a pas de défense, oh. Oh putain, c'est pas possible. 10-3, putain.
Ouf, elle a failli passer. Bon, bah tant pis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Là, on met le coup franc. On le met? Non, même pas. Putain. Hop, allez, ça dégage. Ça, là, t'es pas défendu. Putain! T'as arraché, là, quand même. Là, tu l'as vu. Allez. Non, mais... Oh, bah, putain, mais aussi, regardez contre quoi je tombe, quoi. On peut dire que je suis nul, mais regardez contre quoi je tombe. Voilà, on va refaire une, parce que j'aime pas terminer sur des défaites et tout, hein. Je pense que si je retombe sur un gars super fort, laisse tomber. Ça me casse les couilles. Clairement. Alors, comme si on va tomber encore. Non, mais non, mais ça y est, quoi. Je suis encore pire. Putain, c'est chiant, sérieux. 94, mais forcément, je fais pas le poids. Putain. Casse les couilles. Excusez-moi pour les gros mots et tout, mais... C'est qu'à de le dire. Putain. Allez. Putain, putain. T'es magnifique. Hop. Tu marques. Tu marques. Fils de pute. Tu marques, c'est dit. Hey, Bailey. Allez, 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 allez. Voilà, on perd du temps. Voilà, c'est magnifique, on perd du temps. Là, tu marques. Superbe occasion, ça faut surtout pas les louper. Merde, je croyais qu'il allait avancer. Non. Oh non, putain. Je pensais qu'il allait avancer, moi. Oh non, mais je peux gagner, là, en plus. Il y a que 2-2. Là, faut pas louper, faut pas louper. Oh putain. Non, bah c'est mort. Ouais, bah ouais, après, je vais avoir des occasions de merde. C'est mort. Ouais, c'est mort. J'appuie sur le truc geste technique, ça me fait rien, ça me saoule. Ah, mais vas-y, mais fais-le ton geste technique là. Putain. Allez, voilà, super. Il passe, on sait pas comment. Il arrive à passer, voilà, super. Voilà, j'ai perdu. Putain. Non, il faut voir comment sur quoi je tombe aussi. En plus, c'est les couleurs de maillot, on sait même pas qui est qui. Vas-y, ça me pète les reins. Je suis désolé, hein, mais en même temps, ça peut se comprendre quand quoi je tombe quand même. Moi aussi, j'étais nul là sur ce match, j'aurais peut-être pu faire en égalité. Oh putain, je redescends en plus, international. Pourquoi tu vas me dire, c'est pas si mal. Bon allez, on va se laisser là-dessus les gars. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Mettez un petit like. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo.